démarré bien sûr à la télévision sous le gaullisme, donc il y a quand même quelques sujets qui étaient difficiles à faire passer, qui ne sont pas passés d'ailleurs plus lorsque la gauche est arrivée au pouvoir. Il y a eu simplement des changements de poste, mais il n'y a pas eu tellement de modifications disons, dans les programmes de la télévision, ce que j'aurais fait. Notamment, alors on en vient justement au film Écoutez Clodo, simplement je vais vous raconter rapidement l'origine un peu de ce film. Lorsque j'ai été nommé en 1966, à Dijon, c'était pour, dans une station qui venait d'exister que depuis un an, elle était rattachée à Lyon, et il n'y avait comme programme que le journal télévisé. Donc, je faisais quelques reportages que m'avait demandé le directeur qui s'appelle Pascal Copeau, le fils de Jacques Copeau, homme de théâtre. Et lui, comme il voyait que je m'intéressais à la culture, il m'a proposé surtout de faire des sujets qui concernaient la culture, et notamment la peinture. Donc je faisais des vernissages, et souvent les élèves me disaient « Je suis élève d'André Clodo ». Je ne savais ni qui était André Clodo, je ne savais pas qu'il habitait à Dijon, et c'est un poète, Louis Gérier, qui m'a dit, il faut aller voir André Clodo, c'est le maître de Dijon, très important, mais il n'avait pas très bon caractère, il m'a dit qu'il n'aime pas trop les journalistes. Mais enfin, peut-être qu'il va t'accepter. Alors non seulement André Clodo m'a accepté, il m'a montré plein de choses, et je me suis rendu compte que je ne pouvais pas faire 2 minutes comme on faisait au journal télévisé avec André Clodo, qui fallait beaucoup plus. Donc on a fait un projet de 13 minutes avec Lyon, qui n'a pas abouti, et puis je suis parti. Je suis parti à Paris en 68, j'étais souvent dans la rue, dans les manifestations, plus qu'à la télé. Ensuite, comme je vous l'avais dit, à l'étranger. Et lorsque je suis revenu à Paris et je travaillais pour France 3, je me suis dit là, André Clodo a déjà pris de l'âge, il est encore très en forme, donc il faut absolument qu'on tourne maintenant. Il se trouve qu'en 1977, il y avait des élections législatives qui étaient prévues pour 1978 et où la gauche était bien placée dans les sondages. Les responsables de la télévision gaulliste se disaient « si on a un projet de la gauche sous le coude, ça peut nous aider à garder notre place si la gauche arrive au pouvoir ». Ils avaient tous peur de perdre leur poste. Et à ce moment-là, ils ont dit « peut-être, Clodo ». Mais ils ne savaient pas trop qui c'était. Mais ils faisaient traîner, ils faisaient traîner. Alors, à un moment donné, je me suis dit, il vaut mieux que je finance moi-même ce film. Parce que sinon, Clodo risque de prendre de l'âge, etc. Donc, on est parti avec une équipe de professionnels, et c'est là que j'ai rencontré Jean Letron. Alors, c'est grâce à Clodo que j'ai rencontré Jean Letron. Et après, entre Clodo et Jean Letron, avec qui on partageait un certain nombre de convictions anarchistes, condition anti-impérialiste, anti-colonialiste, anti-raciste, anti tout ce qu'on veut, à ce moment-là, on a tout de suite sympathisé, et non seulement on a quand même réussi à faire ce film, mais je signale tout de suite que ce film, une fois terminé dans les standards de la télévision de 52 minutes, parce que c'était pile poil, voilà, 52 minutes, pas quelques secondes de plus, et bien, lorsque, en 78, la droite a été confirmée dans ses élections, un producteur de la télévision m'a reçu pour me dire « on ne fait pas de propagande anarcho-communiste à la télévision française ». Donc le film n'a pas été diffusé. Voilà. Et à ce moment-là, bon, ben, que je vous raconterai peut-être la suite, oui. Donc on va regarder le film et vous me direz si c'est une bonne propagande anarcho-communiste. Seulement, je n'ai pas fait de dessiner et de peindre, malgré les interdictions militaires. L'anarchie, l'anarchie. À un certain moment de cette guerre, même la révolution révolutionnaire, la révolution de 1917. Or, cette révolution russe va susciter un courant de sympathie au milieu anarchiste. Je vous ai dit une petite image là, pour vous montrer justement. André Clodo et Jean Letron, le début d'une complicité de plusieurs années.
Parce que je dois dire que ces deux personnes ont vraiment orienté ma vie professionnelle. C'est-à-dire que pendant que je gagnais mon argent à la télévision, en faisant des fois des choses intéressées et d'autres beaucoup moins, eh ben je, en parallèle, étant donné que Jean Métron m'a fait découvrir, parce que Jean Métron a beaucoup participé au montage du film, parce que André Clodeau citait des personnes que je ne connaissais pas, Rosmer, Monat, Stenlen, bon, je les découvrais. Alors, bien sûr que Jean Métron m'a dit, je ne comprends pas, tu as fait des études universitaires, tu ne connais même pas ces gens-là. Bon, mais j'ai découvert au fur et à mesure différentes personnes dans le dictionnaire, et ce qui m'a ouvert la voie pour faire des films en parallèle de la télévision, souvent sur des sujets qui n'étaient pas autorisés à la télévision, qui étaient très mal vus, dans l'antimilitarisme, vous imaginez, vous n'avez pas besoin de faire beaucoup d'efforts pour comprendre que le général de Gaulle n'appréciait pas beaucoup l'antimilitarisme, mais il y avait aussi, par exemple, tous les films qui concernaient la contraception, la limitation des naissances, que j'ai fait avec Jeanne Aubert, par exemple aussi l'anarchie, bien sûr, c'était mal vu, avec les Picré, etc. Enfin, et je travaillais de temps en temps, quand même, et la plupart du temps avec des historiens. J'avais remarqué dans ce film l'opposition entre un artiste qui est dans son imaginaire, dans sa mémoire, dans sa création, par rapport à la rigueur d'un historien. Et Métron était, enfin je pense que comme Pelletier, je sais, Métron était un homme de très très rigoureux. Et je m'en suis rendu compte par la suite, il vérifiait tout, il ne fallait pas se tromper dans une date, alors moi qui ne suis pas très aimé avec les dates, bon, il ne fallait pas. Bon. Et là, c'était très important, disons, cette confrontation, je trouve, entre les deux. Ce qui fait qu'après, j'ai fait d'autres films aussi sur d'autres personnes très engagées, mais toujours avec les historiens qui ramenaient, disons, les faits, ce qui s'était passé réellement. Alors, ce film, une fois terminé, il est allé dans plusieurs festivals. Le premier festival du cinéma du réel à Paris, au Centre Pompidou. Ensuite, au cinéma, alors justement, qui concernait le mouvement ouvrier. C'est intéressant parce que ça, c'était à Perpignan, le mouvement ouvrier vu par le cinéma. Et justement, ils avaient sélectionné André Clodeau, ça m'étonnait un peu, mais c'était Marcel Homs, un des responsables de la Cinémathèque de Toulouse, qui s'en était occupé. Ensuite, il y a eu par exemple aussi le festival de la Hippopoli à Florence, qui faisait toute une rétrospective sur les artistes qui avaient collaboré, des syndicats, etc. Et puis à Leipzig, puis ensuite en Italie, à Grenoble, enfin, un peu partout, et dans des cinémas où on suivait d'un débat. Alors Claude m'a accompagné dans un des débats, j'en souviens, je ne sais plus exactement. Enfin, si vous voulez, il y avait, à la suite de la projection du film, un débat. Et c'était encore un peu l'époque des ciné-clubs, après ça a disparu petit à petit. Lorsque la gauche est arrivée au pouvoir en 1981... Donc ça c'était en 77, hein, c'est ça? Alors ça c'était en 77. Peut-être juste un petit mot, si vous permettez. Donc en fait, confrontation, c'était le 16e... Confrontation, c'est le festival qui a lieu à Perpignan, donc chaque année. Et cette année, il se trouve que la thématique sera autour des 40 ans de l'IHTP. Nous sommes associés à la Confrontation. Et c'était le numéro 1 donc, des cahiers de la Cinémathèque, la revue effectivement fondée par Marcel Homs, au temps où Perpignan était associé à Toulouse, ce qui n'est plus le cas aujourd'hui. Je voudrais citer ici Michel Cadet, qui a écrit en fait un livre justement sur le rapport du cinéma au monde ouvrier et qui devait sûrement être quelque part dans cette organisation-là. Voilà, excusez-moi. Et Marcel Homs nous faisait goûter le ratio, la boisson locale, et si on n'appréciait pas le ratio, on ne pouvait pas être accepté chez les Catalans. Bon, donc j'ai eu le ratio, j'ai même ramené une bouteille à la maison, mais personne n'a voulu en boire. J'ai été seul. Mais enfin, Marcel Homme, c'était un homme extraordinaire. Bon, ça, c'était effectivement sur Perpignan. Ben, merci de l'information, parce que je suis encore un peu ce qui se passe à Perpignan, mais c'est très intéressant, ils font un travail extraordinaire, et j'ai beaucoup aimé les rencontrer. Alors, en 60, donc, je ne sais plus, on est en 81. En 81, bon, ben, la gauche arrive au pouvoir, on se dit peut-être qu'ils vont s'intéresser à André Clodeau. Ben, non, ils
ne s'intéresse pas à André Clodo, parce qu'André Clodo est décédé en 1982. Donc, à son décès, j'ai reproposé, non pas à France 3 National, mais à France 3 Régional, le film, mais même régionalement, ça ne vous intéresse pas. Et puis, ensuite, il devait y avoir, on en a parlé tout à l'heure, avec le petit-fils de Jean Beltran, qui est peintre, qui est présent. Donc on en a reparlé parce qu'il me disait justement à juste titre, mais Jean Beltran, mon grand-père, ne pose pas beaucoup de questions sur la peinture, sur l'art. Mm. Et effectivement, il était prévu deux volets pour cet artiste. C'est-à-dire qu'il y avait un volet politique sur son itinéraire de militant et un autre volet sur l'art qui devait être fait avec Max-Paul Fouché à l'époque, qui avait donné son accord. Mais naturellement, comme la télévision n'a pas suivi, parce que moi j'espérais vendre ensuite à la télévision pour récupérer les frais que j'avais, ça ne s'est pas fait, donc je n'avais plus les moyens de tourner le deuxième volet. Et malheureusement, parce qu'on touchait aussi est décédé en 1980, je crois. Mais comme il y a eu ensuite, alors bon, je passe sur les détails, j'ai organisé une exposition de la région parisienne, une rétrospective de André Godot, avec une soixantaine de toiles qui a eu un peu de répercussion, donc à Pavillon sous bois. Et donc, alors là, ben Claude était là, justement à Pavillon sous bois, ce que voulait André Claudeau, il était très content que ça se passe dans la région parisienne, parce qu'il voulait qu'il y ait un article dans l'Humanité. Pour lui, n'ayant jamais été vraiment accepté chez les communistes, avec son esprit libertaire un peu incontrôlable, il avait le désir de trouver quand même une reconnaissance, et notamment un article dans l'Humanité. Donc il était très content de venir à Pavillon-sous-Bois. Et j'avais connu Jean Marcenac, qui est un poète résistant, ami de Louis Aragon, qui avait participé aux lettres françaises pendant la résistance, et qui écrivait de nombreux articles dans l'Humanité. Alors j'avais demandé à Jean Marcenac, que je connaissais un peu, qui était d'esprit plutôt surréaliste, d'aller rencontrer André Clodeau pour faire la présentation du catalogue. Enfin, d'abord, je ne savais pas, je lui ai dit, bah, écoute, ce serait bien d'aller rencontrer André Clodeau, c'est un thème que je prépare une exposition, j'aimerais bien savoir ce que tu en penses. Et Jean Marcenac était à Dijon, il a été impressionné par l'œuvre d'André Clodeau, donc il a fait un très bel article dans un catalogue que je vous montrerai. Et à ce moment-là, on s'est dit, ben, cet article pourrait peut-être passer dans l'Humanité. Malheureusement, il y a eu des articles dans la presse nationale, mais pas dans l'Humanité, c'est-à-dire que l'Humanité a fait effectivement un article, non pas sur le champ d'Arsenal, mais dans notre critique d'art, le dernier jour d'exposition. Donc, ce qui était un peu décevant pour André Clodeau. Mais les Dijonnais se sont dit, pourquoi une exposition rétrospective dans la région parisienne et pas à Dijon? Alors, il y a une association qui s'est créée, enfin, je passe sur les détails, et le maire de Dijon, Robert Poujade, un maire de droite, mais universitaire, très au courant de la ville et aussi de l'art dans sa ville, a dit, je vais faire une exposition rétrospective dans le Palais des Ducs, dans la salle de Flore, un endroit assez prestigieux. Et là, malheureusement, André Clodeau était trop fatigué pour venir au vernissage, il a fait un très bel hommage à André Clodeau. Et pour cette exposition, j'ai fait justement un diaporama avec André Clodeau sur son itinéraire artistique. Alors là, c'était parce que le diaporama, je trouve que c'était pas mal, parce que d'abord, c'est une bonne qualité de film 35 mm, et ça donne, et ce sont des plans fixes, comme les œuvres qu'on présente dans un musée. Il n'y a pas de mouvement, là, vous avez vu le mouvement sur la caméra, mais là, on ne fait pas de mouvement. Et c'est André Clodeau qui parle, simplement, je vais poser deux, trois questions pour le guider, mais c'est lui qui raconte sa vie de peintre. Et on a passé ça à Dijon. Après, ça a tourné un peu, alors c'est un diaporama, c'est assez compliqué, parce qu'il y a plusieurs systèmes, on a passé ça dans plusieurs endroits. Mais il y avait une bande magnétique, enfin vous savez, c'était un peu compliqué à mettre en œuvre. C'est un ami d'ailleurs qui travaillait à la régie Renault qui m'avait expliqué que, parce qu'ils étaient très forts pour les diaporamas. Moi je ne connaissais pas tellement ce truc-là, c'est lui qui m'a aidé à mettre tout ça en forme et ça marchait pas mal.
Voilà, donc, tout. Alors, ce que je dois dire quand même, c'est que ce film est sur YouTube depuis de nombreuses années. J'ai mis aussi le diaporama sur YouTube, j'ai mis quelques réflexions quand je trouve des choses sur YouTube. Mais je dois dire que maintenant, je suis largement dépassé par ce que fait Rachel Mazzini, qui fait un travail extraordinaire sur Clodo depuis quelques années. Moi, vraiment, je suis admiratif. Parce que là, il y a toute une reconnaissance maintenant vraiment importante de André Clodo, qui se la pose et qu'on est ensemble aujourd'hui. Hein. Et l'exposition, par exemple, qui a eu lieu à Dijon, est un travail qui malheureusement se termine dans quelques jours, et est vraiment un travail extraordinaire. Et maintenant, je pense qu'on va pouvoir peut-être encore poursuivre. Et Clodo, maintenant, dépasse, c'est-à-dire que c'est sur le plan national, je pense sur le plan aussi international en Chine, parce qu'il est très connu en Chine maintenant, étant donné que ses élèves sont devenus des peintres importants en Chine. Donc, je pense que maintenant, grâce aux efforts qu'on a pu faire, André Clodo commence à avoir la place qu'il mérite. Voilà, je pense que c'est ça. Merci. Merci beaucoup. Pour dire quand même un mot du film, ce qui est frappant dans le film, c'est évidemment de voir ces deux personnages, alors avec le miroir qui permet de voir Métron en même temps que Clodo. Mais ce qui est frappant, c'est la vivacité du caractère toujours militant de Clodo et sa manière de se relever de son siège sur certains points qu'il considère comme très importants, et de voir Métron plutôt dans la position un peu de celle de Claude Penté, j'imagine, à qui je vais donner la parole dans un instant, c'est plus de ramener, oui, le chef populaire quand même, c'était bien, etc. Et on voit que c'est deux registres évidemment très différents. Et donc je comprends maintenant, à travers ce que vous avez dit, qu'il manque donc la deuxième partie qui peut se trouver sous une forme de diaporama, parce que c'est presque à la moitié du film que Claude dit « Mais avant tout, je suis peintre », alors qu'il se présente, il agit, je dirais, davantage comme un militant engagé et avec toujours une mémoire extrêmement, on est quand même en 77, une mémoire très vive quand même de toute la traversée du siècle qu'il propose tous les deux. Donc, merci beaucoup pour ce moment. Alors, peut-être un jour, il sera intéressant d'ajouter au film, mais sous forme filmique, ce diaporama, enfin en tout cas de trouver une forme qui permette d'avoir les deux volets, si je puis dire, qui était prévu. Il est sur YouTube. Oui. Il est sur YouTube. Je peux. Ben, il suffit de taper Côté Clodo ou André Clodo. Bon, on le trouve sur YouTube aussi. Rachel Mazzini a mis aussi des liens dans Je vois. Donc on peut le retrouver. Alors en fait, les liens, c'est Paul Blanc qui les a mis sur le site du Métro en ligne, des deux effectivement documentaires. Et si je ne me trompe pas, André Clodo, artiste peintre, c'est en vidéo en intégralité. Alors après, il y a des extraits qui ont été récupérés par certaines personnes pour tout sur YouTube. Mais voilà, les liens, c'est sur une page qui s'appelle Réécouter Clodo que Paul a mis en place il y a un an ou deux, où on a ces liens pour les deux documentaires. Parce que Bernard parle de diaporama, mais en fait, comme la voix de Clodo est en off, c'est vrai qu'il y a des plans fixes sur les images, mais on n'a pas l'impression de quelque chose de statique du tout, hein, parce qu'on a la voix en off de Clodo en permanence, qui effectivement nous donne des autres éclairages sur son parcours et puis sur son œuvre. Oui, d'ailleurs, le film s'appelle « Écouter Clodo ». J'ai fait d'autres films aussi avec écouter un tel, et c'était pas très bien vu ça dans le domaine du documentaire où on privilégiait souvent l'image. Et moi je pensais que la parole était importante. Vous savez qu'à une certaine époque, dans les documentaires, vous avez dû en voir beaucoup comme ça, des documentaires animaliers aussi, on met une petite musique, une petite phrase pour dire où on est. Bon, moi ce qui m'intéressait, c'était aussi beaucoup la parole des personnes. Et simplement, pour ajouter quelque chose, je tenais à faire ce film sur une personne âgée, comme André Clodo, pas volontairement au début, mais après j'en ai fait d'autres sur des personnes qui avaient dépassé les 80 ans, notamment les militants, parce que là, ils avaient moins de choses à cacher. Ils se livraient davantage. Ils étaient plus libres. Ils n'avaient rien à... Leur vie était derrière eux.
Donc ils pouvaient nous raconter, mais ils étaient toujours présents dans l'actualité. C'est-à-dire que je ne vais pas faire, on m'en a proposé après la télé, je ne l'ai pas fait, sur des personnages décédés. Parce qu'après, on leur fait dire ce qu'on veut. Tandis que, moi, je voulais qu'ils disent d'abord eux ce qu'ils avaient à dire, et qu'en plus, ils puissent juger ce qui se passait dans l'actualité. C'est-à-dire qu'ils étaient toujours vivants, ils continuaient à réagir aux événements quotidiens. Oui, et je crois que ce qui est intéressant, c'est que c'est une conversation. Souvent, ça peut être des portraits où seul le témoin parle. Là, c'est une vraie conversation entre deux personnes qui croisent leur point de vue et même leur manière de parler. Vous avez cité Max-Paul Fouché, évidemment, il fait partie de cette grande époque où les émissions littéraires étaient, voilà, des gens comme Pierre Dumayet, Max-Paul Fouché. Et donc, sur ce que vous dites, c'est-à-dire sur les portraits d'hommes et de femmes, on peut penser aussi à la grande série Hommes du XXe siècle que Pierre-André Boutan avait lancée, qui est un fonds extraordinaire, très peu valorisé, je trouve, aujourd'hui, qui méritait d'être. Alors, je vais présenter donc Claude Pelletier, qui est donc directeur de recherche émérite à l'Université Paris 1. Enfin, je pense que vous le connaissez tous parce que vous êtes un peu. On est un peu entre nous, si je puis dire, mais je le fais quand même. Au Centre d'Histoire Sociale, donc devenu aujourd'hui le Centre d'Histoire Sociale et Monde Contemporain. Au début des années 80, donc, Claude Pelletier devient associé de Jean Métron à la direction du dictionnaire biographique du mouvement ouvrier français, œuvre qu'il va poursuivre après le décès donc, de Métron en 1987. Vous avez également dirigé donc, la collection La part des hommes aux éditions de l'Atelier, qui se propose, je cite, de faire découvrir des itinéraires d'hommes et de femmes, acteurs du mouvement social de la Révolution française à nos jours. Et vous avez été responsable du pôle Lien militant et du programme Prosopographie des militants au centre CHS que je viens de citer. Donc je vous remercie également d'avoir accepté de venir à cette table ronde et je vous cède la parole pour nous raconter entre autres comment Jean Métron a accueilli la biographie de l'autobiographie. Oui. Alors je dois dire d'abord en introduction que moi j'aime la peinture d'André Clodoux. Je l'ai aimé quand je l'ai vu à Pavillon-sous-Bois quand il a fait cette exposition. Et parce que là, bien sûr, on n'a pas tous les éléments, mais c'est à la fois, on a vu la partie un peu plus militante, engagée, etc. Mais c'est un peintre de paysage qui est tout à fait remarquable. Le clocher de Couchet, pour moi, c'est vraiment une œuvre de premier plan. Il est dans les musées, mais vraiment cette façon de construire sa construction en V inversé avec le village, le jeu des couleurs, le jeu des couleurs avec les jaunes, etc. Il faut vraiment ne pas avoir goûté le vin de Bourgogne pour ne pas aimer un tableau pareil. Et puis, bien sûr, son grand tableau pour voir maintenant, c'est le grand tableau d'histoire sur la sublime surprise, etc. C'est des œuvres où il y a à la fois du Goya, il y a du Tardi, il n'y a pas que du Tardi, on retrouve un petit peu l'esprit qui est celui de Tardi. On pourrait même dire qu'il y a du Brassens, parce qu'il y a ce même esprit. Et il y a du Picasso. Alors, pourtant, il détestait Picasso, hein, on peut dire, parce qu'il était intense comme ça, il n'aimait pas beaucoup Picasso. Et dans le catalogue, on lui propose, le Parti communiste lui propose d'acheter un catalogue des œuvres de Picasso, etc. Mais ça, il marque en dessous « Non !» etc. « Il n'en veut pas !» On ne va pas rentrer trop dans la peinture, mais si on veut, d'une certaine façon, il y a toutes ces dimensions chinoises qui sont importantes. Ces tableaux sur la Chine sont vraiment fantastiques. Hein, je comprends que c'est beaucoup de succès dans les chez les collectionneurs chinois. Il s'appuie sur le cocon de Dijon, qui est un cocon un peu avec épines. Bon, on le retrouve à différents moments. Et du coup, il est moins sur l'endroit. C'est à Paris quand même, que se constituent les grandes carrières. Et comme en même temps, c'est pas un homme qui est prêt à l'envoi avec Picasso à aller
chercher de bonnes relations avec des peintres influents, etc. Il a un petit peu dans son secteur. Donc, dans le fond, il n'a pas été. Et le milieu communiste auquel il s'est rallié ne l'a pas relayé. Hein, ne l'a pas relayé. Et dans le fond, le peintre est plus important. Maintenant, il prend sa place grâce à Rachel. Alors là, merci à Rachel de tout ce travail, et grâce à Bernard aussi. Et grâce à Michel Dixier qui nous fait le plaisir d'être là, qui a été un de ceux qui, les premiers dans cette recherche, a rencontré aussi Clodo. Parce que si on prend les choses au départ par rapport au Métron, il y a une biographie de Clodo dans le Métron dès le tome 11, c'est-à-dire en 73, qui est faite par Pierre Lévesque, qui est le correspondant, qui est un historien, professeur d'université, assez connu, très sympathique d'ailleurs, même qu'il a écrit ses mémoires. Et Pierre Lévesque avait l'interviewé, a fait une première biographie qui est dans la troisième période du Métron. Ensuite, mais là c'est une époque où Jean Métron n'a pas de contact direct, les contacts directs, il les a par Michel Dixmier, qui nous en parlera peut-être tout à l'heure. Hein. Et puis par toi. Hein, mais c'est un petit peu simultané. Parce que Michel Dixmier, son épouse avait été une étudiante de Jean Métron, donc il connaissait Jean Métron par ce biais-là, et il connaissait aussi Clodo, qu'il était allé voir à Dijon dans le cadre de ses recherches sur la caricature, puisque Michel Dixmier est un grand spécialiste de la caricature. Donc, voilà une construction qui se construit comme ça. Il y a une vraie sympathie qui naît entre les deux hommes. Qui sont différents, mais qui s'estiment mutuellement. Moi, je l'ai vu quand il y avait, à Pavillon, quand on voyait une aisance. Et puis, quelque chose aussi, la sympathie, ça joue dans les œuvres. C'est que vraiment, Jean Métron, à Bernard Bessa, avec toute son équipe, là, il était content quand il pouvait les accueillir chez lui, faire un repas avec eux, etc. Et suivi une œuvre fondamentale, ce que fait Bernard Bessa avec toute cette série 7, 8, 9, comme ça, portraits, différents, qui en fait, c'est quelque chose qui va, c'est une œuvre qui va rester et qui est bien parallèle à l'esprit du Métron, qui vient illustrer. Le Métron ayant toujours été, si je peux développer un petit peu là, quelle est la part, le Métron a toujours été sensible à l'accueil des biographies de peintres, de caricaturistes, parce qu'on les trouvait dans la presse, parce que ça a une influence sur l'opinion, ça joue dans la sensibilité populaire. Mais c'était souvent des biographies qui étaient assez courtes, parce que d'abord il y avait la contrainte des dictionnaires papier, que quand le peintre est connu, il y avait d'autres sources par ailleurs, donc il n'y avait pas de raison de faire une histoire picturale. Hein. Donc on signalait la participation au mouvement social. Ce qui a changé après le décès de Jean Métron, parce que les outils ont changé. On n'avait plus la contrainte du papier, ou moins. On avait le papier qui reprenait une partie, mais on avait cette possibilité sur Internet de développer. Donc on a accueilli des biographies de peintres plus longues et plus développées, plus sensibles à la nature de l'homme. Ce qui nous a permis d'ailleurs de faire place à des gens, à des peintres sculpteurs, graphistes, et puis c'est vrai pour les décorateurs de théâtre, les décorateurs de cinéma, d'élargir un petit peu notre sélection. Et là, je vais citer les noms des gens, outre Jean Métron, qui bien sûr accueillait ses biographies, qui fait celle de Clodo. Des gens comme toute une nouvelle génération, une génération ancienne, Nicole Raskin, nous a fait des biographies, qui faisait des biographies intellectuelles, nous a fait des biographies de peintres tout à fait remarquables. Et puis, pour citer la jeune génération, Anicia Le Tellier nous a fait vraiment des biographies passionnantes. Emmanuel Loyer, qui regarde plutôt le théâtre, mais le théâtre c'est aussi les décors. Rachel Mazmi, qui est à côté de nous. Qui est très sensible à cette thématique.
curieusement, ce sont essentiellement des femmes. Elles sont presque. Bon, j'en ai écrit quelques-unes comme ça, sur les artistes les plus contemporains, genre Fléneau, Lebel, etc. Alors, bien sûr, il faudra les classer. Il y a 500 biographies dans lesquelles apparaît la notion d'artiste peintre. Je ne sais pas si elle regardait pour le sculpteur, mais il y en a aussi. Mais il y en a 200 qui sont balisés, parce qu'on a des balises derrière, où on a retenu la balise que pour ceux qui sont peintres professionnels, dans la continuité, etc. Hein, donc, enfin, les autres étant sans doute des gens qui sont en même temps enseignants, ou des qualités diverses, et qui sont 200. Il est certain que dans ce groupe, la part des libertaires est éliminante, parce qu'elle est fondamentale pour tout ce qui est 19e siècle, début du 20e. Beaucoup de surréalistes ont été liés à ce courant libertaire. C'est vraiment d'ailleurs des noms très. J'avais la liste des noms, enfin, on y revient, voilà. Ben oui, Valoton, Signac, Pizarro, etc., Steinlein, enfin bon, on a vraiment là les grands noms. Mais alors, c'est toujours curieux de les qualifier que d'une seule façon, parce qu'ils sont libertaires pendant un temps, mais ils peuvent être autre chose dans l'évolution. On voit bien Clodeau, il est libertaire, il devient communiste, il a toujours cette particularité. Et puis, la seconde catégorie très présente, c'est moins, quand même, c'est la catégorie des peintres communistes. André Picon, Fernand Léger, Picasso, Édouard Pignon, Kandinsky, enfin des gens d'ailleurs de qualité, dans lequel on pourrait mettre là aussi Clodeau, il revient, mais qui n'est pas. Qui n'est pas le seul lieu, il n'est pas flouant avec Clodeau. Il n'est pas le seul d'ailleurs, et le peintre communiste le plus critiqué. Alors que Stanislavski, qu'on suit peu, est un peintre extrêmement important, intéressant, mais dans le regard sur l'histoire et prenant. Et puis bien sûr, il y a des peintres qui sont socialistes, mais alors. Ce que je dirais sur les peintres communistes, on ne les trouve pas dans l'encadrement du Parti communiste. Ils sont vraiment dans le métier de la peinture. Très peu. Chez les socialistes, on trouve au contraire des peintres qui sont en même temps secrétaires fédéraux, ou des choses comme ça, comme Michel Bâtonnier, ou Lagrefou, le général adjoint. Et puis dans les milieux oppositionnels, chez Trotsky, par exemple, il y a Jean Racion, qui a un rôle très extrêmement important dans la peinture. Dans les galeries, la galerie de Denise René, qui est la galerie très en pointe à la Libération, Denise René, c'est une militante, ce qui n'est jamais point du tout perçu par le milieu de l'art. Le milieu de l'art n'arrive pas du tout à voir. Alors là, il faut lire le Métron pour voir non seulement toute la famille, mais les amis, les milieux des auberges de jeunesse, son frère, qui est, etc. Ou alors, mais c'est plutôt un amateur, Fred Zeller. Mais Fred Zeller, lui, on pourrait le mettre dans la catégorie amateur. Blondel m'avait donné d'ailleurs, de FO, m'avait donné le catalogue de Fred Zeller. Bon, heureusement, il ne m'a pas donné un tableau de Fred Zeller, parce que je n'ai pas aimé du tout. On a le droit d'avoir la passion de Clodeau et Fred Zeller, voilà, sur le plan pictural. Parce qu'il se trouve que tout, dans le développement d'ailleurs, de ces choses, il y a aussi un petit peu le goût personnel, que c'est pour ça qu'il facilite un petit peu, et notamment pour les contemporains, et puis Lebel, parce que Lebel n'aime pas, dans le rapport entre Jean-Jacques Lebel, son rapport à la peinture, il y a une dimension militante non négligeable, et il joue un peu, c'est pas que la peinture, c'est toute une série de mises en scène. Enfin, Jean-Jacques Lebel est quelqu'un d'extrêmement extrêmement important. Mais on a été jusqu'à prendre dans les contemporains Jean Fautrier, la figuration informelle, etc. On est à la limite. Hein. On pourrait nous reprocher de prendre Jean Fautrier en disant, dans le fond, c'est quelqu'un tellement individualiste, y compris dans son art,
qu'il faut aller chercher assez loin cette sensibilité. Mais on peut se permettre, quand même, parce que justement, on a un support qui nous permet d'avoir une sélection importante. Moi, je suis frappé que dans le cas des communistes, par exemple, c'est les étrangers qui sont les plus, je vous ai cité les grands, mais les gens les moins importants, ce sont les étrangers. Et il y en a, par exemple, il y a un Arménien qui est un très bon peintre, mais comme il est expulsé de France en 1925, personne ne saura, on ne sait pas ce qui est devenu son œuvre. Et ces étrangers, bah, c'est l'Europe qui est coupée par justement le fait de se faire expulser. Voilà un petit panorama du rapport à la peinture. D'ailleurs, on limite quand même notre sélection. Il y a quelques jours, on a refusé, un patrimoine départemental, la présence d'un peintre, parce que il a travaillé sur les chantiers un petit peu, mais sa peinture est quand même assez un peintre du Havre et assez classique. Il est mêlé en rien à un militantisme. Il n'y a rien dans ses tableaux qui présente à un moment une sensibilité personnelle, etc. Bon, on est obligé de mettre quand même des limites, on ne peut pas se transformer, parce qu'on transforme facilement le métron en dictionnaire des résistants, dictionnaire des peintres, dictionnaire de la... Des anarchistes. Mais les anarchistes, ils y sont de plein pied. Il n'y a pas de difficulté, ils y sont de plein pied. En tout cas, moi, je suis prêt à organiser une grande exposition. Les peintres du métron. Mais je vous assure que vu le nombre, il faudrait qu'un orange s'intègre. Je t'arrête juste à reprendre un petit peu le début, hein, parce qu'effectivement, quand on est arrivé, on a rencontré avec Claude sur la biographie de Clodo dans le métro, je me suis aperçue qu'il allait falloir que je retouche mon carnet de recherche en ligne, c'est bien, c'est en ligne, parce qu'effectivement, je n'avais pas fait la différence entre les deux biographies papier, celle de 73 nourrie par l'interview de Pierre Lévesque, dont Claude a parlé, que moi j'avais cru postérieure à cette fameuse lettre envoyée par Clodo à Jean Métron, donc au moment où, après être mis en contact par Michel Dixney, et on va lui céder la parole ensuite, donc il y a les premiers contacts directs entre Métron et Clodo. Parce que, effectivement, comme on le voit à un moment donné, comme on l'entend à un moment donné dans le film de Bernard Bessa, Métron connaissait Clodo par les caricatures du libertaire. Alors, petite erreur, il dit « je découvre une fois par semaine ». Bon, dans le détail, c'est un peu plus compliqué que ça, mais c'est vrai qu'il y a une cinquantaine de caricatures entre 1920 et 1923. Voilà, la dernière, et c'est intéressant pour l'historien de décortiquer la parole de Clodo, et là-dessus, c'est pas la première fois, vous vous en doutez, que je regarde le documentaire de Bernard, et pas seulement celui-là. Il dit la dernière, et c'est significatif, c'est pour la défense des populations russes affamées, et on montre cette image avec cette femme squelettique et son enfant mort dans les bras avec des coupoles derrière. En fait, non, c'est pas vrai. La dernière caricature, c'est au moment de l'affaire du fils de Léon Daudet à la fin de l'année 23, et pas du tout en lien avec la révolution. Mais bon, toujours est-il que ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, les premières biographies de Clodo, elles passent quand même avant tout par le témoignage. Et si on regarde sur le papier, on va rajouter, y compris dans le dictionnaire des anarchistes, on va rajouter en fait ces éléments d'interview de Jean Métron, c'est sous ce vocable-là, interview de Pierre Lévesque, et puis les nécrologies, celle du bien public, celle du réfractaire également, 82, et il n'y a pas grand-chose d'autre. Voilà. Et le document autobiographique qui est dans la vitrine, dans la salle, en fait n'apparaît pas. On va le retrouver ensuite, évidemment, inventorié, puisqu'il a été inventorié, alors peut-être que Rossella pourra nous dire par qui, à un moment donné, et qu'il apparaît sur Calanès. C'est comme ça que moi j'ai découvert, quand j'ai commencé vraiment à me plonger dans les archives autour de Clodo, je suis allée.
à ce moment-là, à la bibliothèque Rue Malherbe, à la bibliothèque Jean-Bertrand Rue Malherbe, donc avant déménagement pour Condorcet. Et c'est à ce moment-là que j'ai découvert donc cette petite autobiographie linéaire, mais qui a tout le style de Clodo en soi, et qui va nourrir, on le suppose, le complément que va faire Jean Mitron à la première biographie de Pierre Lévêque. Voilà. Et c'est effectivement, quand on regarde ce que ça donne au niveau du papier, on voit que là, on a réfléchi à la place de l'artiste dans le mouvement ouvrier, et c'est sûr que si Clodo a vraiment été un témoin important de ce siècle, s'il a joué un rôle important en Chine, dans les écoles d'art, ça c'est quelque chose qui est en train de prendre de l'importance, il n'a pas eu un rôle dirigeant au sein du mouvement ouvrier, même si, et il le dit dans le documentaire de Bernard, c'est vrai qu'il a eu des responsabilités régionales, notamment au niveau du comité France-Espagne, dans la défense des Espagnols réprimés par Franco après la Seconde Guerre mondiale, et puis dans la mémoire de l'Espagne martyr, comme le montre donc le tableau de Madame Verdugo qu'on voit maintenant à l'écran. Voilà. Donc c'est vraiment très intéressant de pouvoir passer, comme le dit Claude, à la version en ligne, où là on n'a plus de freins. Et effectivement, au fur et à mesure que j'ai avancé dans Clodo, moi je ne suis pas la jeune génération quand même, hein, donc j'ai connu Clodo, j'ai connu Clodo, mais en travaillant sur Clodo, à chaque fois je découvrais ces artistes. Alors, évidemment, beaucoup étaient libertaires, et là-dessus, j'ai un petit peu discuté avec Sophie Kress, qui est une historienne, conservatrice, du Musée d'Art Moderne de la ville de Paris, conservatrice en chaîne, et qui a fait sa thèse sous la direction de Laurence Bertrand d'Orléac à Sciences Po sur l'École de Paris, pour montrer que l'École de Paris est en fait une construction de la critique parisienne et qui veut opposer. D'un côté, donc, ces peintres qui se prétendent de l'école française et qui refusent tous ces étrangers, en quelque sorte, même si l'école de Paris, dans laquelle on connaît Clodo, n'est pas une école que d'étrangers, puisque c'est une sorte de nébuleuse qui se retrouve dans des cafés, qui se retrouve dans des lieux que sont La Ruche et Montmartre, et qui se retrouve dans des formes de représentation de l'art qui sont nouvelles, qui ne sont pas forcément les salons ou les galeries plus en plus importantes, mais aussi donc ces cafés, ces cabarets, où ils vont essayer de passer directement leur art au contact du public le plus large possible. Et donc ça là-dessus, c'est quelque chose qui où Clodo a une place, mais pas une place solidaire également. Bon, je suis un peu partie ailleurs, vous me reviendrez sur le lien avec Jean-Bertrand, le Métron des artistes. Oui, non, je voulais dire qu'effectivement la place des libertaires, elle est très présente, mais je pense qu'elle reflète réellement, effectivement, et moi j'aurais tendance à dire, et là-dessus ce sera des jeunes chercheurs, mais je travaille depuis quelque temps grâce à Clodo avec Gwen Rion qui a travaillé sur le discours sur l'art dans Commune et dans les lettres françaises, et qui continue à travailler là-dessus et qui voudrait s'intéresser finalement également aux années 20, je pense qu'il y a véritablement effectivement une coupure à partir de 32, à partir du moment où se crée l'association des écrivains et des artistes révolutionnaires, avec pas une mise en couple du Parti communiste, parce qu'il n'y a pas de politique artistique du Parti communiste avant 1946, mais il y a quand même quelque chose qui se passe en URSS, qui s'appelle le réalisme socialiste, et qu'on veut essayer d'imposer, et il y a quand même aussi du côté des médiateurs culturels, de la diplomatie culturelle, on va dire soviétique ou même communautarienne, parce que je pense à William Eisenberg, une volonté de rassembler un maximum d'artistes. Et effectivement, je reviens à ce que disait Claude, c'est que vous pouvez prendre quelqu'un qui est libertaire, qui va avoir un parcours avec un basculement. Je prends par exemple Grand Jouan, 10e anniversaire, il est invité, il y va, et au début des années 30, il va carrément passer plusieurs mois à Moscou avec une fonction d'artistes impliqués, et on va véritablement voir effectivement une partie de ces libertaires basculer. Certains basculent très tôt, et Clodo aurait pu basculer très tôt, c'est-à-dire au moment de la révolution russe, parce qu'effectivement il y a une fascination, il l'explique, il le dit. Alors, je pourrais revenir, je ne le ferai pas, mais la réalité dans la chronologie de ses dessins, et le moment où il arrête vraiment, et une critique, on le voit dans une position critique, c'est
un peu après Kronstadt. Donc ça prend un peu plus de temps. Et puis le naufrage qui, effectivement, de Perja le Petit, qui effectivement donne naissance à une indépendance slovénique en décembre 1920, dans la presse française, poursuit en janvier 21, il ne faut pas oublier qu'en décembre 1920, c'est son retour, donc ce n'est pas non plus complètement anodin, à mon sens, elle a joué à la marge dans son évolution, mais je dirais que c'est quelqu'un qui est fasciné par la révolution russe, qui reste profondément anarchiste, mais qui sera, et il le dit, pas violemment anticommuniste. Et effectivement, là par contre, même si ce n'est pas la défense du peuple russe affamé qui est son dernier dessein, on peut peut-être se dire que le côté de plus en plus anticommuniste du libertaire fait qu'il va un petit peu partir. Donc on voit ces personnages qui fluctuent. Après, effectivement, certains vont basculer comme Godo, et ça c'est très classique et massif, comme le monde d'un intellectuel, à travers la résistance. Voilà, donc, c'est un parcours relativement classique, comme l'a souligné Édouard Cille dans les journées Dijonnaise, et ça reprend un peu tout ça. Mais ce qui est intéressant, c'est sur le marché de l'art, sur les manifestations autour de l'art, moi je n'imaginais pas autant le poids qu'ils donnaient des artistes anarchistes, et voilà, c'est pas le cas partout, hein, le salon de Tuileries ou le salon de la Nationale, il n'est pas dominé par les anarchistes. Mais quand on regarde autour de l'École de Paris et qu'on voit les noms et les réseaux, et on s'aperçoit qu'effectivement, il y a quand même quelque chose de très fort qui part au 19e siècle avec Signac, avec Luce un peu plus tard, etc. etc. Steinlein, bien sûr, mais qui se poursuit dans les années 20-30 avec une nébuleuse d'artistes dont Clodo fait partie, plus ou moins organisée. À un moment, il y a aussi une interrogation et autour de l'art prolétarien, qui est en fait une forme picturale des réflexions de Poulaille sur la littérature prolétarienne. Et tout ce petit monde-là va se confronter à un moment donné, effectivement, avec le soutien à l'URSS, le rôle du Parti communiste, avec évidemment aussi des moments d'hésitation, des purges, etc. Mais je pense que pour revenir à ce que je disais, le rôle des artistes anarchistes est vraiment important. Je pense notamment au Salon des Indépendants, dont les présidents sont effectivement la femme de Pissarro, Signac, etc. Et où, jusqu'à la fin des années 30, les artistes libertaires sont très très prégnants, très, très présents. Voilà. Alors, je crois qu'on devait aborder la question de l'apparition dans le métro des artistes et le rapport entre le texte et l'image dans cette nouvelle configuration. Je ne sais pas si Claude voulait dire un mot là-dessus. Oui, bien sûr, ce qui change pour le métro, c'est que dans le papier, il n'y a quasiment pas d'illustration et qu'il n'était qu'en noir et blanc. Donc, du coup, vous voyez. Là, Claudeau nous avait fait deux dessins pour le métron, deux aquarelles pour le métron. Alors, une sur le thème des congés payés, les deux sont sur le thème des congés payés. Enfin, bon, là, on voit deux amoureux, et puis là, on est plus dans le côté typique des congés payés avec la bonne bord de mer. D'ailleurs, j'aime beaucoup celle qui est le plus sur c'est sur la droite, pour moi. qui est sur le plus directement sur la thème des congés payés. On n'a rien pu en faire parce que justement on n'avait pas de hors-page en quadricomie, donc on n'a pas eu de blague, mais enfin ça coupe le lien profond, l'estime profonde qu'il y avait entre Jean Métron et Claudeau. Oui, et donc c'est resté dans des archives. Ah ben oui, alors voilà. Donc, deuxième chose qui change maintenant, c'est que sur le site, même de l'illustration, alors pour Claudeau, on ne s'est pas gêné. Hein. Je crois qu'on a fait avec toi un choix très large. Bon, on ne va pas plus loin que la longueur de la boutique quand même. Hein. On veut pas avoir des... Mais quand même, on fait place à un certain nombre de tableaux, d'illustrations, et on cherche là, par exemple pour des peintres provinciaux, on essaye un petit peu de savoir si on ne pourrait pas avoir une ou deux illustrations, parce que du coup ça joue un autre rôle, et ça rejoint ce que je disais, c'est qu'on est de plus en plus sensible aussi à la,
à la dimension histoire de l'art, à la dimension plus, plus sensible, plus technique, etc. On développe plus les graphies, et c'est une évolution de l'historiographie aussi. C'est qu'il y a des gens pour les écrire. Hein. On a des gens pour faire des graphies plus complexes, plus riches, pas simplement destructives. Dans le PowerPoint de Bernard, j'ai vu une photo où on voit Madeleine Revergou. Peut-être on peut dire un mot sur l'importance qu'elle a eue, ça on le sait, mais l'importance qu'elle a eue dans le domaine de l'histoire culturelle quand elle a fait son grand séminaire sur les expositions internationales avec Michel Pierrot dans les années 70-80. Est-ce que vous voulez dire un mot sur Madeleine? Je crois que quand même Claude Bentier connaît mieux Madeleine Revergou que moi, mais j'ai eu l'occasion de l'enregistrer lorsqu'elle, je crois que c'était à Villiers-sur-Marne, elle avait fait une conférence. Et là, bon, moi toujours, comme j'aime bien faire des archives, même si elles ne sont pas utilisées tout de suite, c'était autour du Métron d'ailleurs. C'était autour du Métron. Elle venait de présenter, je crois, il y avait une exposition à Villiers-sur-Marne, c'est bien ça. Oui, c'était l'exposition Visage du Mouvement Ouvrier. Voilà. Et d'ailleurs, Visage du Mouvement Ouvrier, ça avait été aussi une grande exposition à l'Arche de la Défense, où on avait justement fait quelques... Alors là, il y a eu un grand problème, c'est qu'il fallait montrer Jean Métron. Et moi, mon grand regret, c'est de ne pas avoir fait un film sur Jean Métron. Heureusement, maintenant, ce film existe. Il a été fait, d'ailleurs, par Michel et Michel Rollin. Michel Rollin. Et on va le présenter, à Condorcet le 30 novembre prochain. Très bien. Il est le plus fort. Donc, il y aura une présentation pendant la journée Métron du film. Qui est déjà passé sur des télévisions, sur une télévision commerciale, Bouge Télé, mais maintenant c'est la version d'ailleurs longue qu'on va présenter, et en principe d'ailleurs en présence de son petit-fils, parce que là on en a des petits. Pas simplement toi, oui, je sais, justement, l'autre petit-fils qui est directeur général du CNRS, Antoine Thigoui. Alors, en ce qui concerne justement cette exposition à l'Arche de la Défense, Claude m'avait dit qu'on pourrait montrer quelques images de Jean Métron. Mais le problème, c'est que s'il y avait des images, soit extraites du film de l'Écouter Claude Roux, soit un autre film que j'ai fait avec Jean Métron sur la bourse du travail de Paris. Alors, ce film traitait de la bourse du travail de Paris parce qu'il avait écrit un livre qui s'appelait 10 promenades à travers le Paris révolutionnaire, avec 10 lieux du Paris révolutionnaire. Là aussi, c'était un projet pour la télé. On s'était dit, ça peut intéresser au niveau de Paris, et on a commencé par le faire à la Bourse du Travail de Paris. Mais il était avec d'autres historiens, notamment avec Madeleine de Revergou, avec Jean Brouillard, avec Jacques Julliard, et j'en oublie certains, je ne sais plus, un quatrième historien, certains parlant de Varlin, l'autre de Jouot, l'autre de Jaurès, Madeleine Revergou avait parlé surtout de Jaurès. Donc c'était des extraits de ces films. On avait fait un montage pour qu'on montre un peu Jean Métron en action. Mais Jean Métron passait aussi souvent à la télévision lorsqu'il publie un livre. Donc dans le film de Jean Métron, justement, maintenant ce qui est bien, c'est qu'on voit d'autres activités de Jean Métron, etc. Maintenant, en ce qui concerne les illustrations pour le dictionnaire, effectivement, bon, moi j'ai relevé, maintenant que je peux aller sur Internet chaque fois, essayer de trouver. Dès que vous avez un nom, vous allez d'abord dans le Métron et vous allez découvrir des gens, vous ne savez même pas qui sont dans le Métron. C'est ça qui est extraordinaire. Alors, bon, mais je voyais qu'il manquait quelques illustrations que je lui ai envoyées à Claude Bentier. Notamment sur Suzanne Matine, Claude Sauvé, Madeleine Tripolati, parce qu'on avait fait justement pour cette exposition des mini-portraits de personnages qui étaient dans le Métron, et j'avais demandé à Claude
toujours en vie. Alors je lui avais dit, il faudrait qu'il y ait garçon et fille. Finalement, il y avait deux dames et un monsieur. Et voilà. Voilà. Donc on avait tout ça, les priorités aux femmes. Alors, et puis alors là, il y avait aussi, et je vois que par exemple, on a parlé aussi dans le Métron, et j'ai vérifié hier justement, parce que j'avais fait aussi un film sur le Canard Enchaîné, est-ce que les dessinateurs du Canard Enchaîné sont dans le Métron? Est-ce qu'on en parle? Ben oui, je me suis rendu compte qu'on en parlait. Roland Moisan, qui n'était pas très proche du mouvement ouvrier lui-même, enfin bon, il a fait quand même pas mal de dessins antimilitaristes, Paul Ferjac, Henri Monnier, Jean-Paul Gassier, alors lui il avait aussi des dessins dans l'humanité, je crois, hein, enfin de l'époque, et puis il y a Maurice Maréchal, bien sûr, le directeur du Canard, etc., l'écrivain Bernard Thomas, enfin oui, l'édition. Et après, on a continué quand même, parce que le Métron a continué à vivre aussi, même lorsque le Métron n'était plus là, et que je regrettais de ne pas avoir fait un film sur lui, parce qu'une fois, quand on est allé faire une projection, je ne sais plus où c'était, dans l'Est de la France, en voiture, tout le long du parcours, il me racontait l'histoire de son père communiste, qui n'aimait pas les anarchistes, et c'est peut-être pour ça qu'il a fait sa thèse sur l'anarchie. Et j'aurais aimé, je ne peux pas l'enregistrer pendant tout ce temps, mais je m'étais dit, le jour, il faudra absolument qu'on parle de tout ça, comment Métron, pourquoi il s'est tellement intéressé aux anarchistes, pourquoi il a été tellement ouvert à tous les courants. Jean Métron, c'est ça, moi, qui m'impressionnait, parce que quand je vois ces rivalités entre les gens de gauche qui se mangent un peu, là, et Métron, c'était totalement l'inverse. Et alors, après, on a quand même continué, parce que Jean Métron, on a continué à le faire vivre avec Claude Pénier, quand on a fait une série d'émissions sur Canal Web, qui était une émission par Internet, mais c'était un peu trop tôt, les gens n'arrivaient pas à se brancher. C'était trop en avance. C'était dans les années 2000. Et justement, avec un directeur qui était de Roslin, c'est ça, mais qui a fait cette télévision, et on avait proposé à Roslin, justement, de faire une émission d'histoire qui s'est appelée Passé Présent. Et on est arrivé chez lui avec une biographie du Métron de son oncle, c'est ça? Et il était tout étonné parce que, mais comment vous connaissez mon oncle? Comment vous savez tout ça sur mon oncle? Ça peut être rentré, ça pour approcher les gens. Et tout de suite, Roslin a accepté qu'on fasse cette série d'émissions. On a fait de bonnes émissions, trop tôt, bien trop tôt, parce qu'à ce moment-là, le public n'était pas important. Et puis ensuite, cette télévision a fait faillite. Et je crois que tu as réussi à récupérer une partie, mais pas la totalité. Oui, les émissions sont à la Sorbonne. Bernard faisait un reportage sur le terrain. On faisait venir un historien ou une personnalité, etc., qu'on interrogeait pendant une demi-heure sur des thématiques multiples et fort intéressantes. Par exemple, le goulag. Le seul français présent au goulag aussi. On l'a interrogé en même temps, c'est une petite approche historique. Ça se tenait. Il y en avait chaque fois un historien. Et c'est toi qui posais les questions aussi. Et bon, bah, c'est vrai que. Il faut dire que Bernard, il a une pratique des plateaux de télévision, donc, qui est très utile. Du coup, il dit beaucoup après, le conducteur, la maîtrise du temps, etc. Donc, on faisait ça assez professionnel. Oui, c'était assez professionnel. Et alors là, il y a eu Francis Foncin, qui est décédé, madame, c'est l'historien. Alors, Madeleine Moderlou, Nicolas Offenstadt, qu'on voit maintenant beaucoup, c'était sa première télévision. Mm-hmm. Bon, depuis, là, il en a fait beaucoup, il était très intéressant. Et puis, bon, il y a plein d'autres, il y en a moins une quarantaine, une cinquantaine, je ne sais pas, d'historiens. Et ce qui était très intéressant avec ce système Internet qui pouvait être visionné dans le monde entier, pour ceux qui savaient se brancher, les historiens étrangers qui venaient en France et que tu pouvais, dont on pouvait présenter par exemple les livres et tout, pouvaient revoir dans leur pays, par exemple les Israéliens, je me souviens, Australiens, etc., qui sont venus dans l'émission, ils pouvaient revoir leur émission dans leur pays. Alors que quand ils passaient à la radio ou à la télévision en France, ben, vous voyez, il y avait quand même ceux qui, devant la nouveauté, étaient un peu sceptiques. Je me souviens qu'une fois, Bernard Pudal, parlant, a dit « Si par hasard quelqu'un m'écoute, il n'arrive pas à croire que quelqu'un
de son domicile pouvait accéder à son propos. Voilà ce qui concerne Madame Aubérieux. Mais Madame Aubérieux, il y avait beaucoup à dire que si elle était là, elle aurait tenu pendant une demi-heure. Je ne voulais pas la suivre parce que c'était ma directrice de maîtrise. Ah, elle était extraordinaire. Donc, j'ai le plaisir qu'on cite son nom. Monsieur, vous voulez intervenir ou... Il se trouve que ma femme faisait une maîtrise avec Madame Aubérieux, à laquelle je participais activement par coup. Elle, c'était une historienne, et moi, j'étais celui qui faisait des recherches parallèles sur l'histoire du journal, parce qu'on parlait de la Silver. Et donc, sur les dessinateurs, je me suis pris de passion pour Joso, par exemple. Bon. Et donc, à cette occasion-là, elle avait rencontré des troupes, bon, premièrement. Deuxièmement, pour travailler sur Joso, j'ai été voir quelqu'un à Dijon qui l'avait connu, bon, une fois. Et cette personne, qui avait connu Joso quand il était en Tunisie, qui avait récupéré un certain nombre d'œuvres de lui, qui avait hérité d'un certain nombre de lui, qui avait donné d'ailleurs à son propriétaire après pour payer son loyer, m'a indiqué qu'au rez-de-chaussée, il y avait une dame à qui il avait donné une œuvre de Joso que je pouvais aller voir. Bon. C'était une tapisserie de Joso qu'il avait fait lui-même. J'ai été la voir chez cette dame, c'était la sœur de Joso. Il n'a jamais voulu me vendre la tapisserie, qui est passée aujourd'hui purement et simplement quand elle est décédée après. Bon, ça, c'est des détails. Elle m'a donné donc le nom Clodo, que je ne connaissais pas du tout. J'avais m'intéressé beaucoup au mouvement avant la guerre de 14, les mouvements libertaires en particulier, et la presse illustrée. Bon, je ne connaissais pas du tout Clodo. Bon, je ne sais pas, ça va être autour de 1973-74. Bon, quand le livre sur la Silver est paru chez Maspero, sur la demande de Bébéton d'ailleurs, on s'est décidé à écrire à Clodo, dont j'avais l'adresse à ce moment-là. Et donc, on a été, ma femme et moi, on a été le voir et les voir. Il était avec sa femme. Ils ont été absolument éblouissants de gentillesse. Ils nous ont invités à manger. Sa femme avait fait un repas extraordinaire le soir. On était là, c'était vraiment très très bien. Il nous a complètement, c'était étonnant parce que on l'a fait beaucoup parler, lui il a beaucoup parlé de l'amant d'Abono. Il était déjà à Paris dans les années 1911, il avait ses idées qui avait trahi, qui n'avait pas trahi, etc. Enfin, beaucoup de choses. Il nous a parlé de la suite en termes très véhéments, d'ailleurs, ça nous a impressionné beaucoup. Il nous a montré son œuvre, l'homme majeur, disons que le Guernica, qu'il avait fait après la guerre de 40, qui était derrière lui. Et donc, on s'est quitté très chaleureusement, on lui avait apporté notre livre, etc. Bon. Et donc, en sortant de ce repas, j'ai pris contact avec mes maîtres. J'ai dit, écoutez, c'était 74 à peu près, 75 début, 75, je ne peux pas vous dire la date exacte. Je lui ai dit, écoutez, on a rencontré quelqu'un qui est assez fascinant, est-ce que vous le connaissez? Alors, ça montre bien qu'on n'était pas du tout d'ailleurs dans la période actuelle, parce que maintenant, on tape un nom sur Internet, sur Google. Mais bah bon, même s'il n'est plus grand-chose, même s'il n'est plus connu localement, on a plein de renseignements, on sait où il est à peu près, on sait ce qu'il a fait, on peut très rapidement trouver. Bon, eh bien, Métron, en 75, 76, hein, ne savait pas où était Clodo. Il avait beau participer, Clodo, à la vie dijonnaise, artistique, mais il était dans d'autres courants, et objectivement, peut-être que Métron s'intéressait à beaucoup de choses, au mouvement libertaire, par exemple, il avait des antennes sur le mouvement libertaire, mais il n'avait peut-être pas sur le mouvement communiste, donc il ne savait pas où était Clodo. Il est tombé de sa chaise et ils ont foncé à ce moment-là tout de suite aller voir Clodo derrière. C'est-à-dire que ça s'est passé comme ça. Il était tout à fait de demandeur et lui, il savait parfaitement qui était Clodo. Il connaissait le libertaire et pour lui, Clodo, c'était une redécouverte. C'était vraiment, il ne fallait pas laisser passer l'occasion. C'est à ce moment-là, je pense qu'il a rencontré Bernard Dessa en le proposant. Et d'ailleurs, donc, après, ils ont été voir. Moi, je suis retourné voir Clodo personnellement encore une fois après. Il était veuf, sa femme était toujours là, mais dans une urne, dans son appartement, etc., qu'il avait placé au côté de lui. Bon. Et après, je suis retourné encore une fois à Dijon, mais il était introuvable. Il était parti, il avait des problèmes de santé, etc. Il était complètement introuvable. Bon, je n'ai perdu plus contact à ce moment-là. Alors, une dernière chose quand même, par rapport à Clodo lui-même, on peut supposer effectivement que, pour moi, je suppose, j'ai entendu tout à l'heure ce que tu as dit, Clodo.
là-dessus, qu'il y avait une notice parue en 1973, dans là. Cette notice, elle était datée, elle était localisable, etc. Je suppose que Métro ne pouvait pas suivre toute la richesse de son dictionnaire. Sinon, il aurait su bien avant que je lui dise où était Claude. Ça, c'est sûr. Bon, c'est la seule remarque que je peux faire. Bon. Alors, sinon, je voudrais quand même poser deux questions. Par rapport, moi j'ai été amené après, avec, sur la demande de Métron, de faire un certain nombre de notices de dessinateurs dans le Métron. Suite à mon intérêt pour les dessinateurs satiriques, il a vu que je m'intéressais, que j'étais capable de chercher, etc. J'en ai fait, j'ai fait une liste, il m'a fait la liste, il m'a dit, vous travaillez sur ces questions-là. Bon, j'ai mis un certain temps à les faire parce que j'étais prof, d'entre parenthèses, je ne suis pas historien, donc j'étais prof d'autres choses et j'avais aussi d'autres choses à assumer en même temps, mais je l'ai fait. Bon. Simplement, je regrette maintenant, vu la création du Métron numérique, qu'on n'ait pas été, en tant que moi, surtout en tant que non-historien, on n'était pas assez, disons, conseillé. J'ai fait une notice à la dimension du Métron de papier. Je ne me serais pas amusé à trouver des tas de renseignements supplémentaires pour des gens qui ne m'intéressaient pas tous à fond d'ailleurs, bon, etc. Donc je n'ai pas creusé, je n'ai pas accumulé les photos, les images qui pourraient servir effectivement maintenant pour nourrir le Métron numérique parce que ce n'était pas demandé. On a demandé. Non mais je ne sais pas. Moi je n'ai pas demandé. Et d'ailleurs même pour des dessinateurs, un dessinateur que je trouve absolument fabuleux, Lucien Laforge, que j'ai fait la notice dans le métro, j'ai fait voir sa veuve. Et comme je n'étais pas historien et que je ne travaillais pas sur le fond des choses, pour le futur, pour creuser, apprendre des choses qui pourront servir encore plus un jour, et ben maintenant, la veuve, elle est morte depuis longtemps. Les photos de Laforge, j'en ai les récupérées. Elle était mariée, je un tout petit peu, mais la plupart des renseignements qu'elle pouvait donner elle-même, Et les photos, par exemple, et les choses très importantes pour la suite, eh ben, si on ne dirige pas les gens, moi par exemple, en disant tout doit aller beaucoup plus loin, prends tout ce que tu trouves, et puis après on fera une notice en fonction de ça, on perd malheureusement beaucoup de choses. À ce moment-là, on ne peut pas savoir que le métro numérique allait naître avec ses potentialités infinies. Voilà, c'est ma remarque là-dessus. J'ai une troisième demande, mais je crois que quelqu'un y a répondu tout à l'heure. Quels sont les artistes qui méritent d'être dans le métro? Est-ce que c'est des gens qui ont été des militants, quelque part, ou à moitié militants quand même, bon, et qui ont fait des dessins en plus, éventuellement, parce qu'ils peuvent être aussi militants que des artistes et pas faire de dessins. Est-ce que c'est simplement des gens qui ont fait, est-ce que c'est des gens qui ont fait, qui ont fait paraître des dessins dans des journaux engagés, militants? Militants ou pas, d'ailleurs, Lachie Cobber, que je connais très bien, c'était pas un journal militant, mais c'est un journal souvent engagé, la plupart du temps de la gauche. Alors, quel est le choix que vous faites pour les dessinateurs, pour les artistes auxquels vous proposez de faire de la biographie? Est-ce que c'est quelqu'un comme Van Drogen, par exemple, qui a été un anarchiste dans sa jeunesse, mais qui a été collaborateur pendant l'année de 40, enfin, à quel moment, quelle est la norme, quelle est la règle, ou est-ce que tout le monde est bien vu du moment qu'il y a des dessins qui sont parus dans les bons endroits? Introduire trop de rigueur, surtout dans ce domaine de l'art et de la culture, amène à mettre des barrières tout à fait artificielles. Alors, il y a ce qui est indispensable, fondamental, c'est les gens qui participent à la presse, vous voyez, contestataires, etc. Contestataires, parce qu'on arrive en 68, hein. Aussi, il faut bien prendre aussi les dessinateurs de 68 et de la presse 68. Il y a ceux qui ont le militantisme, c'est très court. Par exemple, ceux qui participent un petit peu aux commissions de la commune de Paris, hein, de 71, bon, de fait, on les retient parce qu'on trouve une trace dans les archives. Et puis, il y a plus largement, on sent bien par leur œuvre, quelqu'un comme Lebel, par exemple, c'est son œuvre qui fait qu'on se dit il est indispensable parce que il relève la protestation contre le colonialisme, sur les guerres d'Algérie, etc., dans son œuvre. Par ailleurs, mais comme il est très indépendant, c'est pas quelqu'un qu'on verra dans l'organigramme d'un parti. Et puis, même la plupart des artistes, même ceux qui sont communistes, on ne les trouve pas dans l'encadrement du Parti communiste. Ils sont à leur chevalet, ou ils sont avec leur burin à taper. Ils peuvent, il y a quelques,
Il y a quelques grands noms, il y a des revues, etc. Mais on ne peut pas dire. La preuve, c'est que dans les autobiographies qui sont à Moscou, on trouve quelques biographies d'intellectuels qui polisèrent, etc. Mais parce qu'eux, ils sont beaucoup plus impliqués dans la politique du parti, dans la formation, etc. Alors que les artistes, on ne trouve pas dans la formation du Parti communiste. Alors peut-être on fait visiter leurs expos dans le cadre des écoles centrales, etc. Bon, si on veut. Mais il y a un peu une incompatibilité entre faire une œuvre, on le voit bien pour Clodeau, hein, faire une œuvre, c'est pas être en permanence dans les organismes de direction. Donc, comme nous, on a une partie de notre sélection qui est où on passe par exemple le Parti communiste, le comité central, les comités fédéraux, etc. C'est pas là qu'on va les trouver. Mais on va les piocher de façon multiple, et notamment sur le conseil des gens qui connaissent. Des gens comme toi, des gens qui sont sur le département. Et puis maintenant, grâce à Rachel Mazoui, on a plongé dans les archives, dans la presse, qui est plus profonde. Alors, nous en propose beaucoup d'ailleurs. Formidable. Je voudrais revenir un tout petit peu sur ce que tu dis, sur le fait qu'ils ne sont pas dirigeants. Oui, ils ne sont pas dirigeants au sens des organisations politiques, mais à partir du moment où tu as une politique artistique du parti, les gens comme Fougeron, ils ont quand même un rôle, à mon avis, important dans les batailles pour l'art, tout ce qui est mené au niveau du Salon d'automne en 1948. Bon, ce serait. Je pense que. Effectivement, ils ne sont pas dirigeants syndicaux, encore qu'il faudrait voir au niveau des syndicats des artistes, parce qu'il n'y a pas d'histoire encore de ces syndicats qui, pour certains, restent au 19e siècle. Je discutais avec Gwen Rieu, parce que donc, dans les fonds d'archives que jette Clodeau, il a quand même eu des syndicats. Alors, d'abord, pas pour le PC, avant, quand il était anarchiste, il a fondé une section à Dijon du comité de défense sociale, le CDS. Ensuite, il était, quand, sur sa période SFIO, qu'il occulte complètement, aussi bien d'ailleurs dans l'autobiographie, la petite autobiographie qui est dans le fond donc, du GED, que dans le documentaire de Bernard, il a été SFIO sous le Front Populaire. Il pique le pan de Léon Blum, mais il a été SFIO, il a monté une section dans un village de la côte viticole et il était relativement important. Alors d'après, il y a Léo Chaud qui est l'ancienne directrice des archives municipales de Dijon, il était, comme il était, ça c'est marqué dans les bio, il était bivertiste, il était à l'aile gauche de la SFIO, il n'était pas en odeur, enfin il n'était pas très proche du maire de Dijon qui à l'époque, donc à partir de 1935, Léon Berger-Brunet qui est donc un député socialiste. Et puis après, effectivement, il n'est pas au parti lui-même, il n'est pas à la CGT, même s'il est proche quand même de pas mal de CGTistes, avec des portraits, notamment un portrait de Pierre Sémar, qui est une pure réaliste socialiste. Il a carrément pris en fait ce que j'appelle une image pieuse du PC, c'est-à-dire une petite image, et derrière il y a un extrait de la dernière lettre de Pierre Sémar avant d'être fusillé en 1942. Et il a repris. Hein. C'est la chemise à carreaux de Pierre Sémar, c'est le pull, c'est la même chose. Donc c'est une photo qu'il a copiée, il en a fait un très grand tableau. Donc il y a des liens avec des CGTistes. D'ailleurs, pour certains, dont par exemple Gaston Léjard, Maurice Blanchet, c'est d'anciens anarcho-syndicalistes avec qui il était à la Bourse du Travail en 14. Donc, il y a un ancrage qui vient s'en passer libertaire. Et puis, le comité France-Espagne, j'en ai déjà parlé, et puis surtout, sur une période un peu plus courte, le mouvement de la paix. Et là où c'est intéressant, c'est qu'effectivement, Clodeau, dans les années 70, quand Bernard l'interroge, il est un peu dans un ressentiment vis-à-vis du parti, même si vous l'avez bien vu à certains moments, c'est quand même un langage communiste qui met en place. Et quand il relit la révolution russe, on est quand même pas sur un discours anarchiste, me semble-t-il, enfin pas tout le temps. Mais il y a eu aussi, et ça j'ai découvert ça tout récemment quand je montais l'expo, au moment de l'accrochage dans l'archive départementale, il ne faut pas oublier que Clodeau était pro-chinois jusqu'à la révolution culturelle. Il fait un tableau qui s'appelle Le Printemps,
du fleuve bleu, où il remet en cause Mao, et dans l'autre documentaire de Bernard Bessa, il traite Mao de Falco. Et jusque-là, et en particulier au début des années 60, Clodeau est maoïste, et pro-chinois, pas maoïste, pro-chinois. Et il y a, en 63, il fait éruption dans une réunion du, des directeurs, mais c'est pas le terme exact, de, du comité fédéral. Merci, du comité fédéral, merci Claude, donc de la Fédération communiste de la Côte d'Or, et s'insurge. S'insurge pourquoi? Parce qu'on a oublié de prévenir qu'un républicain espagnol qui avait été emprisonné par Franco a été libéré, alors que quelques mois auparavant, il avait la tête du comité franciscal, et il en profite pour dire que la politique des dirigeants français du Parti communiste, c'est complètement nul, et que la politique de l'Union soviétique, ça va pas du tout, et qu'il faut, l'exemple à suivre, c'est la politique chinoise. Voilà. Tout ça pour dire que, effectivement, Clodo, et ça me fait sourire parce que je pense à l'intervention que j'ai fait en ligne pour les chercheurs de l'IHCP il y a quelques mois, et à un moment, il y en a un qui m'a dit, mais comment vous êtes sûr que vous ne mettez pas sur l'artiste un engagement qui n'a pas vraiment existé? Voilà. Bon. J'ai un peu rigolé, j'ai dit, allez voir le film, écoutez le film et vous verrez que non, je ne mets pas un engagement qui n'a pas existé. C'est qu'effectivement, il a une casquette d'artiste. Dans sa casquette d'artiste, il y a des œuvres très engagées, mais il a aussi un vrai engagement de militant qui est séparé. Et sur le mouvement de la paix, donc là, il y a une activité très forte entre 49 et 50, puisqu'il est à Pleyel, il est actif sur le congrès de la paix au niveau de la fédération la même année, et puis il part d'abord à Varsovie pour le congrès des partisans de la paix avec un délégué qui est un syndicaliste communiste, et en 52 il part tout seul parce qu'il aurait dû partir avec une agrégée de lettres d'allemand diplômée d'université qui est malade, donc il part tout seul et il va faire des conférences en retour, etc. Donc il y a ce moment là où il y va, et il ne va pas comme artiste, et en particulier à Varsovie, il a rencontré Picasso, il a rencontré je crois que Fujimori était aussi, il a rencontré Marie Mancio, il a rencontré tout un tas d'artistes. Est-ce qu'il leur a parlé, ça je ne sais pas, mais il était comme délégué fédéral de la Côte d'Or, pas en tant qu'artiste, mais vraiment en tant que militant. Il en laisse une trace picturale. Et il en laisse une trace picturale qui effectivement est très intéressante et qui ensuite a été achetée, si je ne me trompe pas, je ne vais pas mes notes, parce que j'ai quand même un tout petit peu oublié ce qui a été écrit. Par l'UDCGT de la Côte d'Or, et donc qui a été déposé à la Bourse du Travail. Le tableau a été restauré pour l'exposition et il compte le donner au Musée des Beaux-Arts de Dijon. Donc voilà. C'était pour dire qu'effectivement, pour reprendre un peu la question de Michel Dixier, là, chez Clodo, le doute n'existe pas. Il est artiste engagé, aussi bien dans la caricature à travers la presse militante, et pas seulement anarchiste, il y a la période anarchiste, mais il y a la période communiste, certes au niveau régional, et il est militant actif à différents moments de son parcours, même si, et ça c'est le témoignage des journées d'études dijonnaises, il paraît qu'à la fin de sa vie, sa femme, Suzanne, remettait souvent en cause son rôle réel, y compris dans la résistance, mais c'est un autre point. J'ai surtout entendu des artistes dessinateurs, peintres, scénographes, et au fond, y a-t-il des photographes, cinéastes, musiciens? Évidemment, peut-être que c'est plus facile de les sélectionner en tant que par rapport à des dessins de presse ou des tableaux, mais je me disais, tiens, au fond, tous ces autres artistes, qu'en est-il finalement? Voilà. Il y a des concerts, hein, c'est une période où des concerts sont organisés par le monde ouvrier. Donc là, on voit les compositeurs, on voit les traces sont très nettes. Mais c'est pareil pour le cinéma, les choix et les sélections ne sont pas faciles. Hein. On ne peut pas rentrer dans le développement. Si je ne comprends pas, on doit avoir un lien. Oui, bien sûr. Et puis pour les photographes, les cinéastes engagés. Et là-dessus, l'AER est un vivier de biographies qui s'enrichit avec les travaux des jeunes. Qui avait déjà commencé avec les travaux de Nicole Racine. Ouais. Nicole Racine, qui a été une collaboratrice exceptionnelle du Métron, qui a apporté en nombre, en qualité, en précision, hein,
qui vraiment avait de la culture livresque. Il faut ça, normalement, quand on aborde ce domaine de la culture des écrivains, une capacité de prendre ses distances tout en étant très précise, etc. C'était vraiment quelqu'un qui a été précieux pour nous, qui a construit le socle biographique de ces artistes. Et là, le prenait sur le panel, même si c'était quand même la littérature qui comptait le plus, mais le prenait aussi bien de la philosophie, un petit peu de la peinture. Alors, le cinéma, il faut qu'on renoue des nouveaux. On a déjà des collaborations, mais il faut qu'on retrouve à tout moment. C'est très difficile, parce que par exemple, Jean-Luc Godard, c'est pas parce qu'il a fait des films où il parle les maoïstes, etc. Mais en réalité, même quand on regarde le film, on se demande quel lien ça a avec le mouvement ouvrier réel. Bon, il faut le faire, ne serait-ce que pour pouvoir poser la question de son lien. Mais par contre, il y avait d'autres, alors non seulement des réalisateurs, mais les techniciens du cinéma étaient extrêmement liés au monde syndical, à la CGT. C'est une période sur le plateau de télévision. La règle du temps, des jours, des congés, des choix de couleurs, etc., était faite par des directeurs de l'image CGT très conséquents, de grande qualité, de très grande qualité, et qui voulaient maintenir la qualité de leur travail en disant, par exemple, qu'on ne tombe pas dans des mauvaises conditions, on ne tombe pas passer une certaine heure, etc. Donc, je pourrais développer ça. Alors, on est très, 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 très sensible à cette dimension. Mais, il reste énormément, énormément à faire. Il y a Métron et Clodo côte à côte, mais il y a une glace et il y a une fille optique. Et parfois, il y a des plans, quand Clodo est couché, où on voit Métron derrière et Clodo sur un divan. Et on dirait une posture psychanalytique. Et j'ai aussi fait la réflexion que Métron avait une distance qui n'était pas la distance du psychanalyste, mais quand même une distance d'historien. Et après, je pensais que Clodo peut dire librement qu'il a mis sa palette au service de son engagement, mais l'historien ne peut pas mettre sa palette au service de l'engagement. Donc il y a aussi une réflexion sur le rôle de l'historien. Et néanmoins, Métron est resté engagé toute sa vie et a relevé le défi avec bonheur, avec talent, de rester engagé et être historien. Et voilà. Et on a encore des enseignements pour aujourd'hui, je pense. Oui, parce que finalement, dans la liste de Godard, on pourrait se dire, mais bon, il a fait ses films, et c'est vrai qu'on peut douter, moi qui connais bien Godard, parfois on se demande, certains films, voilà, est-ce que c'est pas une pure œuvre d'art sur mais ça n'a aucun message, même dans sa période la plus... voilà. Un artiste qui ne reflète rien dans son œuvre, mais qui par contre a eu un engagement personnel, dit après dans quelques mots que l'œuvre est forcément paysagiste ou portrait, ou quelque chose comme ça, sans faire le lien, ce qui n'est pas le cas. Justement, ce qui est passionnant avec Clodo, c'est qu'il est tout ça à la fois. Un grand artiste des paysages, les portraits, moi je suis moins emballé par ses portraits, mais ces toiles engagées, elles sont vraiment tout à fait exceptionnelles, et on s'étonne qu'elles, moi je le dirais bien, à Orsay, hein,